Salut tout le monde, c'est Julat, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans le jeu de l'aigle, Eagle Flight. Franchement, je kiffe ce jeu, c'est un truc de malade. Regardez ça, ce que j'aime faire surtout, c'est ça. Hop là, c'est me balader là-dedans là. Oh, j'adore, c'est trop bien fait franchement. Olé. Alors, regardez ça comment que je le gère franchement. Oh putain mon vieux. Je le gère, ouais c'est vite vu quoi. Donc souvenez-vous, la dernière fois on avait fait pas mal de défis. On n'avait pas tout fait hein. Franchement il restait encore pas mal de défis. Mais j'ai bien envie de m'y rattaquer. En tout cas j'ai vu que vous avez bien kiffé le premier épisode. Donc ça fait plaisir. J'ai toujours pas eu le retour sur le deuxième épisode, parce qu'à l'heure où je fais celui-là, bah il est pas encore en ligne. Tout simplement parce que j'avais fait les deux à la suite. Mais j'ai vu vos commentaires sur le premier et j'ai vu que vous avez bien kiffé. Ça m'a fait super plaisir. En tout cas bah si vous kiffez toujours autant, un petit pouce bleu, un partage, ça fait toujours plaisir. Et Tour Eiffel, vous devez progresser dans l'histoire pour débloquer ce chapitre. D'accord, attendez, j'ai envie de tester un truc. Ça va être un truc de fou, je vous préviens. Ça va être un truc de fou, je sais même pas si ça va marcher. C'est parti! Oh putain! J'ai presque envie de le refaire. Ah oui, je peux pas y aller parce que des faucons protègent la zone, c'est ça? Attends. C'est ça, je peux pas y aller? Des faucons protègent cette zone, faites demi-tour. Ok, ça marche, c'est bon, je me casse. Ok, pas de problème. On reviendra, t'inquiète, on va s'expliquer. Bon, eh bien, on va attaquer un petit défi tranquillement. Alors, un petit défi où... Ah bah c'est ça, c'est quoi ça? C'est des nouveaux défis, je sais pas, ils sont orange. Attendez, j'ai envie de faire un truc de fou. Olé! Alors, bon, on va arrêter de faire... Oh, putain, j'allais dire on va arrêter de faire les fous et on va partir au défi. Allez, c'est parti, direction le défi. Juste par contre, pour aller au défi, je vais passer par là parce que... J'aime bien. Voilà, yes. Tu vois, c'est mieux quand même quand je passe par là. Ouh, il y avait une petite plume. Attendez, j'ai vu la plume. Je vais me la faire. Elle est où? Elle est là. Hop, je prends juste cette plume. Et puis on se casse. Ouh. Ok, attendez. Je vais voir s'il n'y a pas une petite plume. Je prends de la hauteur vite fait. Hop, tranquillement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas 2-3... Putain mon dieu, on est où là? Oh la vache. Comment que ça fait? Oh, oh putain merde, ça c'est le micro ça. Ok, on est parti au défi tranquillement. Allez, c'est le défi numéro 8. D'accord. Ok. Voler à tire-d'aile afin d'atteindre l'autre extrémité le plus vite possible. Vous êtes désormais seul au monde. D'accord, bah ça j'avais remarqué. Dans les catacombes, inclinez la tête pour ajuster votre trajectoire avec précision. Pas de problème, ok. Oh putain, c'est vachement glauque par ici. Oula, c'est parti. Voilà, voilà. Et je peux vous dire franchement que c'est super tendu mon vieux. Wouh. Oh comment que c'est tendu. Par contre c'est trop bien. Wouh. Wouh, putain de merde mon... Eh attends, il y a un moment mon vieux c'est hardcore, tu vois ce que je veux dire? Faut le reconnaître. Putain mon vieux. Oh putain. Franchement je vous assure, je sais pas comment que ça peut paraître à l'écran, mais c'est vraiment pas évident. C'est là le réflexe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y retourne. Dans les catacombes. C'est parti. Je vais vous montrer que je suis digne d'un aigle mon vieux. Digne d'un vrai aigle. Allez hop, concentration. Waouh, c'était chaud. C'était chaud. Putain merde, j'ai pas assez incliné en bas. Je veux mes 3 étoiles, y a pas moyen. Je veux les 3 étoiles, on va les faire. Wouh, putain c'est chaud. C'est chaud des fois. Ok, je vous ai bien surpassé le début. Là, il n'y a pas moyen. Je veux les 3 étoiles. Je pense que ça va le faire. J'ai pris franchement un bon départ. Je suis passé par en haut au début. Ok. Allez, vas-y. Il y a moyen. Allez, les 3 étoiles. Les 3 étoiles. Ok. Allez, le petit courant d'air des familles. Ça passe. Yes. Allez, encore quelques secondes. Je pense qu'il y a moyen, j'ai les 3 étoiles là. Non? Eh oui, j'ai les 3 étoiles. Alors, je suis deuxième, ok, c'est cool. Nickel, là ça me plaît, d'accord. Le défi expert B est disponible. Attends, parce que c'était pas un défi expert ça? Non, franchement, je trouve que c'était franchement pas mal expert. Au niveau du Louvre, j'ai ça. Alors attends, il est où le Louvre? C'est où le Louvre là? Attends.
C'est quoi le Louvre là-dedans? C'est pas ça le Louvre là? Non? Parce que j'ai bien envie de faire de la next un petit peu, tu vois, récupérer les plumes, les trucs comme ça. Ouais, là je suis dans la section du Louvre, ok. D'accord. Je suis dans la section du Louvre, mais il est où exactement le Louvre? Ah bah c'est ça je pense. Ça c'est le Louvre, non? C'est pas ça? Franchement, j'en sais rien, putain, je suis une daube moi sur les monuments parisiens. C'est un truc de fou. Attendez, je vais prendre de la hauteur. Là-bas, je sais que c'est le Panthéon, il me semble. Le Panthéon, la Grande Roue là-bas, la Tour Eiffel, Notre-Dame là-bas. Bah, le Louvre, ça doit être ça, là, non? Non? Putain, vous le voyez, vous, le Louvre? C'est quoi, mon Dieu? J'en sais rien, je sais pas c'est quoi, le Louvre. Oh, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut aller là-dedans? Ah bah non. Wouh! Oh putain! Ouh la vache! Il y a des petits poissons aussi à récupérer des fois. Allez, vas-y, ça passe. Oh! Putain, j'ai failli manger le canard, mon vieux! Il m'a foutu les boules, ce canard! Il est malade! Attends, il n'y a pas des petits poissons par là? Écoutez, j'ai envie de faire un truc de fou. Voilà, ça, ça passe. Ok. Ok, franchement, il n'y a pas beaucoup de plumes par là. Hein. Des plumes, des poissons. Hop là, ça passe. Oh putain, je suis un fou moi des fois, mon vieux. Je sais même pas comment je fais pour passer des fois. Il y en a une là, mais je crois que... Ouais, ça fait partie de la zone de la tour Eiffel, ça. Attends, il y en a une là encore. Ouais, tu vois, tour Eiffel. En fait, je peux pas ramasser les plumes dans les zones que j'ai pas débloquées encore. Je vais aller voir, mais là, normalement, par là, il devrait y en avoir quand même. Là, j'y suis, je suis dans la zone de Notre-Dame. Rien par là. Par ici un petit peu. Je regarde. Putain, il n'y a pas de plume quoi. Il n'y a pas de plume. Par contre, j'ai vu un endroit où il y avait peut-être du poisson. Je vais aller voir. Un petit demi-tour, tranquillement. Voilà. Y a pas du poisson par ici? Non. D'accord, il n'y a pas de poisson. Ça passe? Yes! Wafla! Un petit poisson! Au vol, c'est cool. Allez, on va passer par là. Hop! Une petite plume. Eh ben voilà! Putain, ils sont là. En fait, faut vraiment chercher. Ouais, faut descendre dans les ruelles en bas et tout. Tu vois, faut limite aller là-dedans, mon vieux. Bah tiens, il y en a une là. Vas-y, je vais faire demi-tour. Je vais aller la choper direct. Oh, il y en a une là aussi. Non? Putain, ça y est, je crois voir des plumes partout maintenant, moi. Attends. Ah, bah il y en a... Putain, ça y est. Tu vois, faut les trouver. Ah non, là, je suis dans le Louvre. Attends, je vais voir en bas, là. S'il n'y a pas deux, trois petites plumes. Ah, bah voilà, il y en a une là. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une par là des fois? Ok, je vais aller par là. Il n'y a pas des plumes? Hein? Alors? Hop là, on prend un petit peu de hauteur, tranquille. Oh là là, c'est excellent, franchement, quand tu prends de la hauteur comme ça et tout. T'as vraiment l'impression que tu t'envoles et tout, c'est un truc de fou, quoi. Bon! Bon, bah on va peut-être se lancer un petit défi. Ah ouais, c'est celui-là là-bas qu'il faut que je fasse. Il y a peut-être celui-là qu'il faut que je fasse d'abord. Je vais faire d'abord le A. Ok, c'est parti. Attends, il n'y a pas une plume au passage, mon vieux? Putain, il faut que j'arrête avec mes plumes, moi. Allez, vas-y. Je vais faire celui-là. Le long de la Seine. La zone autour de votre nid et votre territoire, riche en surprises diverses, faites le tour du propriétaire. Ok, d'accord. Inclinez la tête pour bien traverser les animaux. D'accord, va falloir traverser les animaux. Et bah c'est parti, mon vieux. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer que c'est mon territoire ici. C'était ça qu'il fallait faire? Non? Attends, j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Filez vers le prochain anneau. D'accord, je vais la refaire. J'ai pas bien compris. Je vais vous montrer que je suis digne de voler comme un aigle, moi. Hop là, tac. Et puis, il faut bien les prendre au centre, parce que comme ça, tu prends bien du boost. Si tu les prends au centre, c'est cool. Faut tout le temps viser la petite tache verte. Oh là là, comment que je gère? C'est un truc de fou! Wouh!
Oh putain, mon vieux. Et là, je peux vous dire qu'il y a l'effet de vitesse, hein. Je pense que vous devez l'avoir aussi. C'est un truc de malade. Allez, vas-y. Let's go. Yes. Et là, je peux vous dire que si je chope pas la médaille d'or, si je chope pas les 3 étoiles, là, ok. Waouh. Ça passe de justesse, mais ça passe quand même. Yes, yes. Ok. Et bah c'est cool ça. 1 minute 08, 1 minute 10. Je sais plus c'est combien le temps pour avoir les 3 étoiles. Je pense que je vais les avoir quand même, il y a moyen. Allez. Ok. Parfait. Parfait. Ok, d'accord. Yes. Alors, 3 étoiles ou pas? 3 étoiles ou pas là? 2 étoiles? Tu rigoles? Attends. Je t'ai fait un parcours parfait, mon vieux. Bah, je recommence. Hein. Ok, je vous dis, là, il y a moyen que je fasse péter un meilleur temps. Franchement, j'ai fait de niveau. J'ai bien pris le centre des machins et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai les 3 étoiles, là. Là, j'ai les 3 étoiles. Ah bah oui, et je suis même premier, je vais vous dire. Alors, franchement, là, je t'ai fait un parcours parfait, quoi. En fait, il faut bien prendre le centre des cercles pour avoir un petit boost supplémentaire. Le défi expercé est disponible. Eh ben, ouh, viens ici toi. Oh, je m'en fous, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je me suis écrasé, mais je l'ai eu. Voilà, je vais ralentir un peu, je vais pas aller trop vite. C'est con parce que, tu sais, les éléphants. Ce délire. Ouais, je dis c'est con parce que tu peux pas tourner la tête pour voir ce qui se passe à droite sans aller à droite, tu vois. Si tu regardes à gauche, bah tu regardes à gauche, quoi, tu vois. Si tu regardes à droite, tu regardes à droite. Mais moi, je voudrais bien voler toujours tout droit. Mais juste incliner la tête pour voir ce qui se passe des fois, tu vois. Ou juste regarder en bas, tout en pouvant encore monter ou quoi. Mais là, ce serait plus complexe pour les... pour se diriger, parce que ça marchera avec la manette et tout. Parce que là, franchement, je fais quasiment rien avec la manette. Hein. Juste, j'ai le cri. Voilà, le cri du faucon. Accélérer, freiner. C'est tout, quoi. Triangle. Voilà. Hop, une petite plume là. Wouh, dans la zone du Louvre, c'est cool. Allez, c'est bon, ça, je ramasse quelques plumes. Tiens, on va les suivre. Oh putain, mon vieux. Oh, dégage. Y'a pas des plumes par là? Wouh. Ok, hop, petite plume juste là-bas. Avec le petit poisson qui va bien. J'ai eu le poisson et la plume. Ça, c'est cool. Bon, et ben là, franchement, je suis bien haut. Alors, attends, on va récapituler. Là-bas, c'est quoi là-bas? Là-bas, il y a la tour Eiffel, ok. Là-bas, je pense que c'est le Panthéon. Ça, ça doit être le Louvre, alors, je pense. Notre-Dame, elle est là. Ah non, le Panthéon, c'est ça là-bas, non? Putain, j'en sais rien. Bon, écoutez, on va aller vers le défi expert B. On va se faire ça tranquillement. Et ben, c'est parti. Let's go. Allez. Go direction vers le défi expert B. Au passage, je regarde toujours s'il n'y a pas 2-3 plumes à ramasser. Je fais un peu de rasemote, tu vois, tranquille. Hop là, un petit coup par là, tranquillement. Ok, il est où Ah, il est là. Attends, je vais ramasser la plume derrière. Je crois que je l'ai pas déverrouillé cette zone. Ah si, c'est le Louvre. Ok, oh putain. Oh, les trains, ils ont déraillé par ici, mon vieux. D'accord, attendez. Ah, j'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc. Regardez ce qu'on va tester. Je suis sûr que ça passe. Oh yes, ça passe. Oh ok, d'accord. Il doit y avoir des trucs à ramasser, je pense, là-dedans. Bon, je vais arrêter de faire le fou. Franchement, je pourrais voler pendant des heures, moi, là-dedans. C'est un truc de malade, quoi. Je vais aller au défi expert B, si je le trouve. Il est où? A, B, C, D. Putain, je l'ai perdu, mon vieux. Ah bah il est là. Allez, c'est parti, let's go. Ah, ici c'est la gare en fait. D'accord. Allez, let's go. Enfin, vous avez trouvé le nid des vautours dans cette gare. Vous devrez les chasser du Louvre pour que le quartier soit à nouveau sans danger. Éliminez tous les ennemis aussi vite que possible. Ça risque... Toi déjà, dégage. Voilà. Allez, c'est parti, mon vieux. Un vrai albatros, vous allez voir. Ils sont où les vautours?
Ok. Allez, une petite doublette. Loupé. Ça dégage. Ok. Oh, franchement, j'adore les sessions de chasse aux vautours et tout. C'est excellent, quoi. Allez, ça dégage. Est-ce qu'il en reste encore? Putain, ils sont... Allez, vas-y. On va prendre des petits virages, là. Ah, ils sont là-bas, putain. Ah, je vais faire un mauvais temps. Je vais faire un mauvais temps, je pense. Putain, ils sont dans la gare. Oh, c'est le bordel, mon vieux, ici. C'est complètement le bordel. Allez, vas-y, venez, les gars, là. Vous êtes où, là? Où est-ce qu'ils sont? Crac, ça dégage. Hop là, ça dégage. Oh, putain, le réflexe. Clac, voilà. Ok. Nickel. Il y en a encore un. Oh, franchement, je pense pas que j'aurai les 3 étoiles. Je pense que je vais devoir le recommencer. Ouais, à mon avis, c'est mort. Allez, il n'y a pas moyen, j'aurai les 3 étoiles. C'est obligé. Ok. Deux d'un coup. Loupé. Toi, tu dégages. Allez, les gars, venez. Je vais vous montrer c'est qui là, le patron, ici. Je vais vous montrer c'est qui le patron. Lui, là-bas. Ok. Ça dégage. Allez, ça dégage. Il y en a encore un là-bas. Il y en a encore un, je l'ai vu. Putain, loupé. T'inquiète, l'autre, j'arrive derrière. Allez, vas-y, là. Ok. Allez, il en reste plus que deux. Il en reste plus que deux. Putain, ils sont dans la gare, je crois. Non, il y en a un là-bas. Ok, je l'ai eu. Plus qu'un. Yes! Bah, bien sûr que j'ai les 3 étoiles. En 51 secondes, ça va, c'est franchement pas mal. Ok, parfait. Écoutez, je vais faire... Eh ben voilà, je suis dessus. Je vais faire le petit défi C. Labyrinthe souterrain. Les tunnels du quartier valent le détour. C'est agréable, ce vent sur vos plumes, non? Parcourez ce trajet aussi vite que possible. Pas de problème. Les labyrinthes, ça me connaît. C'est parti. Allez, let's go. Donc là, labyrinthe, je suppose qu'il va falloir trouver la sortie. Ou alors c'est une course un peu comme d'hab. Tiens, on va passer au-dessus. Waouh! Ça passe à l'aise. Il n'y a pas un petit courant d'air à prendre par là? Si, il y en a un sur la gauche. Ok, nickel. Oh putain, c'est chaud. Hein. C'est super tendu, mais ça passe. Un ours, mon vieux! Dégage! Alors, ça! Je prends, fais péter la vitesse. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est super chaud, c'est super tendu. C'est tendu, mais ça va. Je gère, j'ai envie de dire. Ça va, tranquille. Hop là, j'ai failli me prendre une palle du ventilateur dans la gueule. Mais ça va, tranquille. Ok, on va passer par en haut. Voilà. Allez, fais péter les petits courants d'air là, histoire que ça aille plus vite. Oh putain, j'ai les 3 étoiles là quand même. Oh, seulement 2 étoiles. Je recommence. Ok, allez, plus que quelques secondes pour les 3 étoiles. Allez, ça va le faire. Yes, j'ai les 3 étoiles. J'ai les 3 étoiles. Yes, j'ai les 3 étoiles. Et ben, je suis bien content. Pour une plume par là. J'ai bien envie de faire ça, c'est quoi ça? Allez récupérer des plumes pour améliorer votre vie. Ah bah voilà. Tu vois? Allez, c'est parti. Let's go. Ok. Yes. Ouh, ouh. C'est... Ouh, c'est chaud. Ok. Nickel. Alors ça, je prends... Allez, il m'en reste 5 à avoir. 5 petites plumes, s'il vous plaît. Ça va le faire. Ok, plus que 2. Allez! Yes! Les 3 étoiles! Là, ça me plaît, 49 secondes. Et franchement, regardez tous les défis qu'on a fait déjà. C'est un truc de fou. Bon, bah, il y en a, on n'a pas encore. Il y en a qu'on n'a pas encore fait. Comme ça. Pourquoi qu'il a qu'une étoile, celui-là? C'est quoi? Ah non, bah, il est bloqué, ok, d'accord. Ah ouais, il y a pas mal de défis qui ont des cadenas aussi. Hein. Faudrait qu'il nous fasse le même jeu, tu vois. Mais avec la France entière, tu vois. Ou avec le monde entier et tout, carrément, mon vieux. Ce serait trop fort. Bah, laisse tomber, par contre, faudrait 10 ans pour traverser le pays, quoi. Ce serait un truc de malade. Oh, je vais retirer le casque là. Waouh. Oh, regardez ça, mon vieux. J'ai la trace de l'Oculus Rift et tout sur la gueule. C'est
C'est un truc de malade. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour la suite. En tout cas, moi, je suis chaud pour la faire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, ciao tout le monde, bye!